Matthieu, Matthieu, chapitre 6. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les gens, pour être vu par eux. Autrement, vous ne recevrez pas la récompense de votre Père qui est dans les cieux. Donc, lorsque tu fais ton aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les gens. Amen, je vous le dis, ils reçoivent leur récompense entièrement. Mais quand tu fais ton aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret, te récompensera publiquement. Et quand tu pries, ne sois pas comme les hypocrites, car ils aiment faire leurs prières en se tenant debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des gens. Amen, je vous le dis, ils reçoivent leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, et ayant fermé ta porte, prie ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te récompensera publiquement. Mais quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles comme font les païens, car ils pensent qu'en parlant beaucoup, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Vous donc, priez ainsi, notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite, comme dans le ciel, aussi sur la terre. Donne-nous aujourd'hui notre pain qui nous suffit chaque jour, et remets-nous nos dettes, comme nous aussi nous les avons remises à nos débiteurs, ne nous amène pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les âges, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Car si vous remettez aux gens leurs fautes, votre Père céleste vous remettra aussi. Mais si vous ne remettez pas aux gens leurs fautes, votre Père ne vous remettra pas non plus vos fautes. Mais quand vous jeûnez, ne prenez pas un aspect sombre et triste comme les hypocrites. Car ils se défigurent le visage pour faire paraître aux gens qu'ils jeûnent. Amen, je vous le dis, ils reçoivent leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, oins ta tête et lave ton visage, afin qu'il ne paraisse pas aux gens que tu jeûnes, mais à ton Père qui est présent dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te récompensera publiquement. Ne vous accumulez pas des richesses et des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et volent, mais accumulez-vous des richesses et des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent pas, où les voleurs ne percent ni ne volent. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. L'œil est la lampe du corps. Si donc ton œil est simple, tout ton corps sera lumineux. Mais si ton œil est méchant, tout ton corps sera dans l'obscurité. Si donc la lumière qui est en toi n'est que ténèbres, quelle est grande, la ténèbre. Nul ne peut être esclave de deux seigneurs, car, ou il haïra l'un, et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un, et méprisera l'autre. Vous ne pouvez être esclave d'Élohim et de Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre âme, de ce que vous mangerez et de ce que vous boirez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. L'âme n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, car ils ne sèment, ni ne moissonnent, ni ne recueillent dans des greniers, et cependant votre Père céleste les nourrit. N'êtes-vous pas beaucoup plus excellent qu'eux? Et qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à sa stature? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Examinez soigneusement comment croissent les lis des champs, ils ne travaillent ni ne filent, cependant je vous dis que Shelomo même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Mais si Elohim habille ainsi l'herbe des champs, qui est aujourd'hui, et qui demain est jetée au four, ne le fera-t-il pas à bien plus forte raison pour vous, gens de petite foi? Ne vous inquiétez donc pas, en disant, « Que mangerons-nous ? » Ou, « Que boirons-nous ? » Ou, « De quoi serons-nous vêtus ? »
car ce sont les nations qui cherchent sérieusement toutes ces choses. Mais votre Père Céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses. Mais cherchez premièrement le royaume d'Élohim et sa justice, et toutes ces choses vous seront ajoutées. Ne vous inquiétez donc pas pour le lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit son mal.